sans clout après avoir été recadré par Céline Dion après un commentaire sur sa santé, Michel. Drucker refuse de parler. Il garde le silence. Le problème est ceux qui essayent d'en savoir plus trouvent porte close, ce qui aide forcément à doper les rumeurs, rapporte le magazine Télépoche, qui s'interroge dans les colonnes de ça. Dernière édition sur les causes de son absence et de sa discrétion. C'est Silence Radio du côté de son. Entourage. Ni la chanteuse ne veulent s'exprimer. Contacté par Télépoche, l'animateur et ami proche de la chanteuse Michel Drucker n'a pas souhaité parler d'elle en ce moment. Elle ne comprendrait pas. Quelques jours plus tôt, au détour d'un entretien accordé au magazine Gala, l'animateur de Vivement Dimanche, le rendez-vous hebdomadaire de France 2, n'avait pas hésité à souligner la minceur extrême de la diva québécoise. Lorsqu'il l'avait croisée, l'illustre animateur le lui avait reproché « Je l'ai trouvée diaphane et je le lui ai dit. Elle m'a dit qu'elle dansait beaucoup, mais elle était déjà très mince », a confié l'animateur. Cette confidence aurait été perçue comme maladroite. Le retour de Céline Dion sur scène est prévu pour mai prochain. C'est dans le cadre de sa tournée. Européenne. Rise and rise and never end.